Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. Donc c'est un devoir pour que je dis à nous dire qui j'ai la police là marche. Qui j'ai la police là à quoi peut-on dire. Il est important pour que nous parlions à la population je dis. Comme nous connaissons, votre commandement la police là, 21 octobre 2021, là un moment qui est extrêmement difficile. Côté que situation politique pays a été agitée. Côté que la police là, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un problème. Les policiers démoralisés. Il y a une cassure entre
au commandement et base d'Avonista, qui vient de nous création de syndicats, qui vient de nous et devant le mouvement 500. C'était un moment extrêmement difficile. Nous devons prendre responsabilité et rapidement, il y a des mesures que nous devons prendre. Premièrement, nous monter au nouveau commandement. Au nouveau commandement. Et à partir de là, gagner un ensemble de rencontres que nous faisons. On rencontre de visites que nous faisons à travers la direction de la Pantalio, commissariat, les unités spécialisées. Donc c'était un pèlerinage. Un pèlerinage pour que nous allons parler avec les policiers. Sensibiliser sur le moment, sur les difficultés que le pays a traversé. Et reconnaître que juste là, son lieu est légitime. Mais comme nous avons une situation spéciale, nous demandons aux policiers pour faire des passants de soi. Mettez de côté la frustration pour nous, mais en nous faisant seul, en la police là, pour nous mettre en et changer la trajectoire, la situation de sécurité qu'il y a à traverser. Rapidement, les policiers ont répondu. Ils ne vont pas seulement répondre dans la bouche, mais ils répondent à travers les actes qu'ils ont fait dans la rue, les gens ont engagé dans la rue. Et grâce à la mobilisation, ça, grâce à la motivation au niveau base de la police, grâce à l'unité qui gagne en dans le commandement, grâce à l'unité qui gagne en dans la police, là, côté base de la police, fait au seul avec le commandement pour nous trouver en police. Ça permet que y ait un ensemble d'opérations que la police réalise à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Et ça permet que nous ayons des résultats concrets. Côté que 4998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, drogue, détention d'armes illégales et la trier. Nous arrivons saisis en bateau. Dans table lutte contre drogue. 25 kg de cocaïne nous saisit. 658 kg de marijuana. Nous saisissons pendant 6 mois 234 arafes. Nous avons la possibilité d'exposer plus de 150 là. Que nous avons la possibilité de regarder, c'est des armes que nous saisissons au cours de l'opération que nous déclenchons. Toutes 248 là, toutes 234 là, pas exposées là. Mais en grande partie, nous exposons que nos carrés gardés. Malheureusement, au cours de l'opération, il y a 94 bandits qui sont blessés mortellement dans le échange avec la police. Il y a 21 véhicules que nous récupérons, qui ont été volés que nous récupérons, avec plusieurs motos que nous récupérons ou du moins confisqués. Nous saisissons l'argent. Nous saisissons 78 520 dollars. Nous saisissons 34 220 575 euros. Et ensemble d'opérations, ça va venir à dire, permettre que le mois d'avril, nous ayons une baisse considérable dans la capitale. Dans le pays, spécialement dans la zone de l'économie. Je ne dis pas au grec fait. Ville de province numéro sous contrôle. Zone métropolitaine en a pour chaque jour. Comme on dit. Et nous prenons responsabilité pour continuer tout ça. Nous avons fait passer spécialement sous. Dernier incident qui vivait au niveau de l'Ebdu-Kudusa. 24 avril, deux groupes d'hommes à la frontière. Rapidement, la police déployée et prend contrôle de zone. Le changement de tir fait,
c'est quand quatre arrestations faites, 16 armes saisies, et il y a plusieurs bandits, malheureusement, qui poussent volontairement. Nous confisquons 7 véhicules à plusieurs motos. Nous gagnons 3 policiers qui blessent. Donc, grâce à Dieu, c'est des blessés qui battent là. Au niveau commun, nous réfléchissons et nous travaillons chaque jour pour que nous améliorions les conditions de travail policier. Et grâce à l'appui du gouvernement et les partenaires que nous avons sur le plan international, aidez-nous à commencer le processus de renforcement de la capacité opérationnelle de la police. La formation continue avec dotation d'équipement spécial pour l'unité spécialisée, pour brigade d'intervention dans le commissariat et tout policier à l'échelle nationale. Dans l'espace de travail policier, nous commençons ce travail pour que nous améliorions les conditions de travail. C'est ça qui fait que il y a 19 lieux de police qui sont réhabilités dans le pays que nous avons là. Nous avons 3 qui sont réhabilités dans le Grand-Est, 13 réhabilités dans l'Ouest, 2 unités spécialisées, Boy avec Simon, et puis nous avons une qui fait le Nord. Toujours dans le cadre pour améliorer les conditions de travail policier, nous avons monté une commission qui pour réfléchir à une proposition au gouvernement concernant l'indemnisation des policiers blessés, victimes au cours de l'opération, ou du moins et un droit de policiers qui mourent au cours de l'opération en tant que service. Nous avons constaté et nous constatons que les policiers aux victimes sont à la merci de un bon papa directeur général, un bon papa ministre des Finances, un bon papa autorité politique. Donc c'est ça qui fait que la commission s'est montée et fait de réflexion pour que nous ayons un cadre légal qui fixait responsabilité de l'État par rapport à sacrifice et engagement policier à prendre dans la rue. Proposition en fait, travail là, nous remettons proposition à gouvernement. Et faut dire que préalablement, le gouvernement est touché par la situation, donc nous avons un avis favorable. Donc il était au niveau gouvernement pour que nous mettions de touche dans la proposition que nous faisons et ensuite publier pour bonheur. Institution la police pour encourager les policiers chaque jour à risquer la vie dans la rue. Nous toujours parler et nous toujours encourager la constitution de nos grandes familles policières. Dans ce sens, nous commençons à réfléchir déjà pour réflexion au commencement. Ensemble de travail commencé fait. Nous-mêmes, nous avons des autorités qui ont commencé à consulter. Conseil national coopératif, qui a aidé nous dans le cadre d'élaboration de documents. Nous commençons à rencontrer avec l'autorité, le gouverneur Banque Centrale, qui promet nos supports techniques. Nous espérons par longtemps la police là a bien coopérative par le pour des parents policiers des possibilités pour l'acheter, ça va bien. Tout ça nous a expliqué là, montrer que la police là entre dans le processus pour que nous empruntions voie de développement. Pour que nous avons une police qui est plus responsable, une police qui est plus professionnelle, une police qui est apolitique. Nous avons garanti aujourd'hui, nous comme policiers, nous avons garanti aujourd'hui que la police n'a pas à la solde d'aucun groupe politique, ni aucun secteur de la population. Nous avons garanti policiers, équipement matériel que nous avons à la disposition, il y a prêté uniquement.
investissement au service population. Nous avons foi, nous avons un engagement formel pour nous mettre contre un banditisme avec des mérites pendant que nous avons respecté les droits de tout le monde. La police a boumé contre toute qualité bandit, sans distinction. Sans pas besoin de connaître dans quel secteur bandit ça a eu. Tout le monde a communiqué chaque jour avec bandit. C'est bandit. Tout le monde qui a payé l'argent, les armes, munitions à bandit, c'est bandit. Chez même bouton, c'est chez même malin. Précaution, pas ta peur. Les gens qui voulaient que vous respectez, d'abord respectez la tête. Pas de dire, pas de problème. Pour finir, la première des populations. Continuez à courir la police. Continuez à aider la police là pour renforcer pour qu'on ait un plus bon service chaque jour. Merci à vous. Remerciez-vous pour le fait que nous allons ensemble avec vous. Merci avec vous. Une occupation qui vient avec cette question. Il y a 10 ans qui pour aller 2 ans à l'heure. Situation extrêmement préoccupante. Donc il n'y a pas plus tard que hier soir, il y a plusieurs bus qui sont sortis. Il y a aucun ou bien pas sorti pour le prince à l'île du Sud, et que monsieur Yon fait tout le monde descendre le déclin de toute sa question. Il n'a pas appelé que sous-commissaire au niveau de Matisse, toujours pas le commissaire là-dedans. Maintenant, la population quand même connaît effectivement qui ça la police a fait, est-ce qu'elle a été, est-ce qu'officiellement nous abandonnons les ordres de Matisse pour Matisse après avoir sauvé. Deuxième partie question concernée les plusieurs thèmes avec l'installation de la police qui jusqu'à présent va le commissaire là-dedans. On a parlé de bouillon, on a parlé de au niveau de l'aviation, on a parlé de tout au niveau de station Gonaïve. La population carrément même connaît effectivement est-ce que la police tout, il y a besoin de zones à l'ombaille et les bandits. Dans notre question tout, on a posé la question qui vient avec la situation. Écoutez, situation côté que le député Abel Décolline a souligné que les gagnants puissent passer 50 millions de routes qui ont tué dans la prison publique. Par rapport à cette situation policière qui a abandonné les institutions. Il y a effectivement des précisions qui sont la cause et les policiers ont déserté les institutions. Merci. Merci, Pisteur. On va commencer par ça. Matissan, nous connaissons que c'est au quartier. C'est pas d'entrée plus que 4 départements. Et on prend une partie dans le département ouest. Situation ça a influencé toute activité dans la zone de la sud. L'hypsidération, business, influencé. C'est une situation qui préoccupe. Gouvernement, population, la police en général. Vous comprenez que la population à bout, il n'y a pas qu'à elle. Et que patience, ça a le justifier. Nous comprenons. Nous tout simplement apprenons la population. Prenons la police. Nous avons demandé nos titans tout autour. Vous comprenez la police. Maintenant, nous avons un petit délai tout court pour que la situation soit répétée. Parce que la police là, a travaillé avec le gouvernement sur une question spéciale. Nous pouvons, pas longtemps, la situation sera prise. Dans la mesure que nous prenons, pendant que la police là, pour mes contre-bandits dans la rue, parallèlement à l'interinstitution, il y a des mesures que nous prenons pour assainir l'institution. Nous devons mettre sous pied aux commissions qui pour permettre d'évaluer les ressources personnelles. Grâce à la commission ça, grâce à rapport, la commission ça produit. Nous retournons le ministère des Finances 5622 chèques qui totalisaient 108 998 183 euros.
rapport ça permettre de retourner 1313 tables de début lundi qui totalisait 158 310 000 gouttes qui fait au total de 267 308 183 gouttes. Mesure ça permet à l'institution rapidement prendre engagement pour augmenter rapidement prime de risque pour policiers dans l'unité spécialisée et brigade d'intervention à travers les villes. Grâce à la commission, ça, rapport commission ça, nous avons envoyé 1187 policiers et employés administratifs. Donc 1013 policiers et 174 employés administratifs. Vos abandons avec votre cause. Sur environnement sécurité pays. Autrefois, bandits étaient venus fonctionner avec armes de feu. Mais on transformation qui nous fait la menace. Nous avons rien que nous à disposition. Bandir de nos jours, c'est avec âme de l'homme côté que nous. Étant donné que l'environnement sécurité a changé, transformé, l'institution de la police a tout doit transformer. Sous plan légal, sous plan renforcement de la capacité opérationnelle de l'institution. Et nous avons dit, processus de transformation de la police pour répondre à l'exigence du moment, il y a un danger. C'est ça fait une unité spécialisée bureau conserve constamment en formation continue. Gouvernement a peine consenti de débours considérable pour faire acquisition, équipement et matériel pour la police. Nous sûrs et nous espérons que dans le cours de l'air, l'équipement sera matérialisé à la distribution de la police. Donc la police là a renforcé, avec appui du gouvernement, la police là a renforcé sur le plan opérationnel. Et troisième question. Il n'y a aucun commissariat qui a fonctionné là-dedans. Il y a une zone pour la saline, pour la ville là, qui est des zones que nous constatons que l'État remet avec bandits. Et souvent tout, il y a des gens qui disent que c'est des impôts question. La police, là, a fait opération, il y a quelques bandits que vous-même ont essayé d'entrer en collaboration avec eux. Qui ça vous capable de dire sur l'ensemble de problèmes ça et des gens? Surtout les questions du commissariat spécial. Donc on est que technique pour ensemble les cyclones qui vivent dans les 50 zones. Cité Soleil, c'est une grande abonne. Côté que lieu de police est saccagé, pillé. Mais la police n'a pas arrêté pour passer. On a travaillé de façon à ce que pour que zone, côté population, n'a pas vu normalement, pour que nous intervenions. Pour réoccuper le commissariat et sous-commissariat pour que nous travaillions avec la population en service. Nous avons dit une autre fois que la police a traqué toute qualité bandite, quel que soit le secteur que nous vivons. La police n'a pas été pour collaborer à aucun gang. Jamais et jamais gang. Responsabilité nous. C'est pour mettre en gang, vous mettre en bandit chaque jour et la faire l'opportunité. Que y a un thème dans la zone ça on a dit une présence policière qui est plus ou moins stable, qui est visible par exemple dans la zone église catholique là, on a parlé des zones qui ont plus besoin et mon bureau c'est pour nous observer.
Maintenant, vous dites que deuxième question, kidnapping dans les fonds baissés, pourquoi vous gagnez 3 000 depuis votre reportage sur l'augmentation de la kidnapping? Qui ça, vous pouvez comprendre avec ça, nous n'avons pas donné avec sa population humaine, dans le sud. Moi, je dis clairement, pour moi, dans la ville, là, il y a une baisse considérable dans la kidnapping. Ce qu'a donné, moi, dans la ville, là, a donné, moi, passé, yo, pour constater. Je souhaitais que vous consultiez les statistiques. C'est vrai, la première semaine, mois de mai, j'ai des cas que nous enregistrons et j'ai des cas que nous vérifions. Hier, au niveau de la nous vérifions, car nous avons été dans la petite population que la police a mobilisée pour garantir la sécurité. Pour que ça va passer dans le plein, nous dit que la police prend sa main rapidement pour éviter que la situation dégénère. Nous avons rassuré la population, la pleine, que nous avons renforcé le dispositif de sécurité à chaque jour. Et chaque jour, nous avons beaucoup plus menaçant envers tout le monde. Il faut l'ordre établi, l'ordre commence à rétablir et il faut nous continuer jusqu'à ce que nous prenons le contrôle total, pleinement, et résonne en domaine. Et nous vous entendez déjà. Pardon? Est-ce que nous vous entendez que par l'établi dans ces réseaux stratégiques? La police là a beaucoup de voix pour qu'il y arrive la population. Donc, nous devons travailler chaque jour pour que nous soyons beaucoup plus représentatifs. À savoir, il faut que nous. Au jour le jour, travail pour que nous augmentions le niveau de police, pour que nous allions vers la population. Donc, pas de travail, juste. Coordonnateur SPNH 17, là, Jean Elder, lui, dit fait qu'on est dans une autre, il était dehors, pour aussi. Et il bat bravo pour le commandement de la police, là, à tout policier qui rend la vie reprendre pleinement. Pendant que vous laissez frapper, base 400 Marozo, groupe chez méchant. Puis loin, coordonnateur lui dit déclarer, il y a besoin d'arrêter veillatif pour s'emparer, pour commencer. Cependant, M. Jean Elder, lui, dit fait qu'on est, il n'est pas satisfait par tout le monde capable terroriser la population à n'importe qui moment et ça fait demander la population pour être vigilant. Côté coordonnateur SPNH 17, là, Jean Elder, lui, dit qu'il est dans le micro, collaborateur nous, Samuel Jean-Louis. Nous sommes sur notre félicitation à au commandement de la police, à tous les policiers qui participent dans l'opération qui viennent rendre la vie possible dans une zone pleine du sud de Sakla. Donc nous avons réfléchi en pile avant de nous sortir de ça, mais nous venons rendre compte que SPNH est un syndicat de gauche, effectivement, mais nous ne venons pas camper en face de la police, nous contre la police, et que nous venons travailler pour nous capables de faire une police plus professionnel, c'est à faire le nom de nos côtés, une direction à marcher, à faire un travail qui est bon. Nous obligés de mettre tout le bagage de côté pour féliciter le bon dire que pour aller dans le même sens. Mais nous pas voulu tout pour nous prendre satisfaction pour nous dormir sous lit. Nous croyons que le travail là, le bon travail n'a pas été fait. Et que d'après les menaces que nous venons sur les réseaux sociaux, côté que Bandi dit que bataille là beaucoup fini, il y a un peu retourné, alors qu'on prend contrôle de la zone d'aéroport. C'est ça que fait la demande des directions générales pour nous rester sur le qui-vive, pour nous préparer à toute éventualité de manière pour nous capables toujours mériter et félicitations à nous capables toujours mériter. J'ai de faciliter ça de manière pour travailler bien pour pas la population de l'église. Et tant que coordonnateur SPNH 17, est-ce que nous satisfaits de l'opération de la police menée contre le groupe Gang Sayo qui a bataille dans plein nom, qui c'est 400 Marozo, ensemble avec base chez méchant? Effectivement, je ne peux pas dire que SPNH est satisfait. Parce que jusqu'à présent, le monde n'a pas traversé le magistrat pour aller dans le sud. Jusqu'à présent, je pense que toujours la bisou. Toujours quoi des bouquets, toujours des bandits qui viennent dans la plaine là, toujours des bandits dans un canal qui n'a pas de problème. Quoi que nous ne pouvons pas nous satisfaire. Mais leur monio, leur autorité, leur commandement fait un pas dans la bonne direction. Nous supposons dire que Québec continue de taper sur même lancer ça,
de manière pour nous capables d'arriver à jouer une salle à chercher, qui est sécurité pour toute population. Nous avons coordonné SPNH 17 à profiter et faire recommandation à responsable de PNH là pour continuer à travailler et mener dans le pays. Et puis demander la population haïtienne pour Carola collaborer avec la police pour rendre la bataille plus facile. Puis loin, l'inspecteur lundi déclaré c'est parce que le bandit a amené très à l'aise pour fonctionner dans le pays d'Haïti. Cependant, le coordonnateur lundi demandé pour le commandement PNH là pour avoir moyen à la police une façon pour travailler. Il a fait capable d'avoir plus de résultats d'apporter une solution à un phénomène d'insécurité dans le pays. Mais vite au côté, une fois encore, inspecteur Jean Elderlin, Dynamico, Samuel Jean-Louis. Effectivement, nous recommandons la police, la police va être même lancée pour toute l'autre acte, zone Kabay Bolendo, parce que la cité Canaran, zone cité Soleil, Matissan. Pas des bouquets a toujours la brûle parce que les résidents sont dans la base de notre point des bouquets. C'est toujours la même bataille là. Pour agir la police là. Pour les travailler en pile sur la carrière d'information. Pour les travailler tout sur formation policière. Pour acheter plus de matériel de manière pour travailler la capacité. Bon côté par nous, FPNH, nous avons demandé aux populations hein, pour rester soudés avec la police là. Parce que le police qui a bien travaillé, les populations qui ont informé et qui ont corrigé, qui ont demandé pour corriger des régions. C'est ça que nous-mêmes, nous avons demandé aux sociétés civiles haïtiennes pour rester bon côté SPNH de manière pour nous travailler plus toujours pour nous demander aux autorités de corriger des régions pour nous arriver à Santé Carré pour payer un travail bien pour bon genre de sécurité. Pour le peuple haïtien capable d'évacuer librement à l'occupation. Qui ça SPNH 17 propose comme solution pour mettre un frein à la question du phénomène de sécurité dans le pays d'Haïti? On reste quoi avec moi? Pas un pays qui n'a pas de pas un pays qui n'a pas de propos de sécurité. Mais on reste quoi qu'en Haïti, on a trop latitude pour sortir de haut point. Pour y aller dans l'autre point. C'est ça que nous avons demandé pour la police d'avoir des matériels beaucoup plus sophistiqués, pour avoir des drones et même des hélicoptères qui suivent le déplacement bandit et que pour la police soit capable de proactif pour être capable sur les lieux dans le moment du déplacement pour éviter que la population soit capable de subir. Nous restons quoi que le renseignement de la police travaille plus. Pour informer la police à l'échelle de déplacement, ça un programme contre depuis la route, pour ne pas arriver côté pré-albaï problème. Nous croyons que la bataille travaille là en pile, mais nous croyons que depuis que le commandement veut travailler de manière professionnelle, il y a privé contre l'insécurité. Sous ta message, on va adresser à l'endroit des agents policiers ainsi que au commandement de la police. C'est qui ça le tapis coordonnateur? Agents, nous restons croyants que faut que toujours agir avec plus prudence dans la rue. Parce que la rue, toujours été un côté qui hostile à tout policier et cap circulé. Nous étions quoi que Popio pas sorti, Popio sorti en groupe de manière pour capable pour nous solidaire à l'autre pour capable défendre si ta grande situation qui présente. Et pour l'État pays, nous quoi que Popio a un signal qui est beaucoup plus clair dans Santé Carré, bataille contre l'insécurité. Popio a un signal qui plus visible, plus compréhensible pour la population capable d'arranger pour courir la police là, dans la bataille contre l'insécurité. Nous croyons que son bataille qui demande un peu de synergie, mais nous croyons que depuis l'État va signal très clair et que nous voulons stopper l'insécurité. Depuis monsieur, on ne peut pas servir à l'insécurité pour faire politique, depuis dépolitiser la police là pour qu'il fait job technique client. Nous croyons qu'il est arrivé très loin pour d'abattre sa sécurité. Ancien député Abel Descolines dit ça avec tristesse, c'est à regarder, attendez, ça qui a passé pendant deux semaines dans la commune de Colais Bouquet. Quand il fait qu'on est si d'ailleurs qui gagne ça, non, mais on montre que c'est eux qui ont dirigé même les chefs dans tête pays. L'ancien parlementaire, il est beaucoup en carrière, ajouté, ça qui passe matissant, qui arrive dans diverses autres zones dans le pays, si on n'est pas fait pour bloquer groupe armé. D'après ancien député Abel Descolines, nous invitons au coup. Même
comme citoyen, comme monde d'abord, moins vraiment attristé, moins vraiment ému. C'est une situation apocalyptique puisque lorsque WAP suive des images aussi atroces, côté de jeunes garçons, de jeunes filles, de timons, de personnages âgés qui ont mouru dans de conditions mais vraiment qui baillent de aspect de pays qui en guerre. Alors que non, pas un pays qui en guerre, bien entendu, ou gagne la guerre des gangs. Donc, non, vraiment condamné le genre de situation, ça y est. 1er juin 2021, situation qui arrivait martissant, les semblait d'un coup de goutte d'eau à ça qui arrivait, pour des bouquets, qui compréhension par or. Compréhension, c'est que, jeune chotillon, vrai chef, mon qui gagne contrôle le territoire, c'est les hommes armés, puisque l'État qui gagne, sont l'État imaginaire. Gouvernement qui gagne, ce sont des hommes, et des femmes qui contentaient tout simplement de privilèges que possèdent. Mais c'est comme si on payait en quête de devoir, c'est comme si on payait obligation pour assurer la sécurité. Compréhension, non. Ça t'est arrivé, Matissan, l'est duré pendant plusieurs mois et continue encore dans Matissan. Écoutez, les heures mamées, de l'autre côté nord de la région métropolitaine, quoi des bouquets pour repos, bref, regardez que l'État inexistant sont l'État imaginaire, donc c'est eux-mêmes qui ont décidé, comme on leur semble, pour y bloquer, pour y attaquer, pour y faire gagner les ouvriers. Donc qui sait si pas gagner ont l'autre directive d'un niveau gouvernance pays. Demain, c'est capable, on l'autre zone, qui pas pour des bouquets, qui pas pour Matissan, qui pas pour Robot, malheureusement. Dans le quotidien d'information, il y a ces colonels de l'Ébu qui portent une précision sur les stratégies groupes armés utilisées pour contrôler diverses zones dans la région métropolitaine depuis un bon bout de temps. Et le Ébu qui est dans le micro Radio Lumière a déclaré que c'est une planification qui fait depuis quelques temps pour capable de régler les affaires politiques du groupe monde. Dans ce sens, ancien ministre Espoir a ajouté que c'est une catégorie monde qui techniquement utilise individus armés pour faire mode travail ça, au gang ou affaire qui s'est saigné pour tout prince. Pendant midi, pour phénomène gang nan jwenn nou solution, fòk si la yo ki plase pou dirije peyi a patan nan complicité ak group armé yo. Invite ou koute M. Himmler Ribé. Pour moun ki konn étudie stratégie, pour mise en place ki fait pour assurer pour prendre des pétanques. Donc, c'est un travail qui est techniquement très bien réalisé et qui fait par des gens hautement qualifiés. Ça que la population a vécu aujourd'hui, son bagage qui était planifié depuis bien longtemps. Maintenant, il faut avoir des yeux techniques pour les comprendre. Et nous connaissons que finalité a son finalité politique à l'intérieur d'un mauvais calcul. Parce que calcul politique, ça l'est fait depuis bien longtemps. Pour une série de monde qui définit voler comme plutôt au Caribé, ça va utiliser Ariel Henry comme marche-pied pour qu'il retourne au pouvoir sans que pas payer aucune conséquence. Mais son projet qui est là, qui vieux de plus de 10 ans, nous songeons depuis le président Michel Madeleine avait essayé de monter de fausses CEP, c'est avec le même objectif là, et jusqu'à présent, rien n'a pas changé. Et nous croyons que nous avons un devoir de vigilance et de réaction sociale que nous avons commencé d'ailleurs avec marche qui était faite en plein an. Que la population est obligée de lever grand-père pour être capable de ne pas quitter le monde, mais elle n'a trop que fouiller vous lire. Alors, colonel Rébé, on parle de étranglement pour la population qui a plus comprendre. En termes clairs, ça veut dire exactement. Pas étranglement des gangs, étranglement de la population. Parce que dès que vous assiégez une ville, cela veut dire que vous neutralisez toute porte de sortie d'une ville. Mm-hmm. Inévitablement, on va marcher vers l'intérieur pour faire et pour exercer des pressions. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on veut faire. Un combat qui passait le week-end dernier, il n'y a pas tellement parlé en ville de lit.
Et nous pas remarqué à qui tout est diplomate dominicain libéré. Est-ce que l'autre monde qui s'est appelé libéré à vitesse ça? Cela veut dire que il y a une instance modernée quand vous m'avez envie dans des délits pour rentrer en action et qui parle avec le monde qui s'est tapé mon Dieu, dit non, le monde a oublié la guerre tout de suite parce que ça a créé nos problèmes. Ça veut dire que le monde qui a dirigé l'État en connexion avec gang qui a kidnappé mon Dieu. Et au gain pour voir qu'on est, qui nous a permis la guerre rapide, qui nous a permis de rester là pour chercher l'argent pour le bail. Donc ce n'est pas un problème, les bandits sont un problème d'État. Dans ce qui concerne le dossier chef gang 400 Maozoa, Germine Jolie, alias Saint Laurent, qui pour qu'on y a fermé dans la prison, dans le pays blanc américain, colonel Imler Bebu, rappelé pays États-Unis, c'est intérêt pas seulement la défense de Baboïsite, pendant le profit et des acteurs politiques pour chercher intérêt pays a, avant tout l'autre détail, il y a eu au colonel Imler Bebu. Ambassadeur américain, je vous en prie, clair. Et même lui en Haïti pour résoudre le problème qui est lié à l'intérêt américain, pas là pour résoudre le problème haïtien. Donc c'est nous-mêmes qui sommes plus imbéciles, qui comprennent nos haïtiens, nos bagnères, etc. Alors que nous toutes, tout le monde, par exemple, pour voler, toute l'argent volé en Haïti, calmer au Saint-Domingue, calmer aux États-Unis, c'est l'argent que le pays s'arrête pour le consommer, pour le manger. Donc, et le peu d'intelligence que nous avons gagné fort, ça t'a fait nous, ouais, que nous avons obligation pour nous citer ensemble pour nous commencer à résoudre le problème haïtien. Et l'ambassadeur qui est en train de dire ça. Donc, les États-Unis, ils ont défendu là pour défendre l'intérêt États-Unis, et pas là pour défendre l'intérêt haïtien. Et ça, c'est très clair. Et c'est la première fois que nous avons vu dans Haïti. Mon corps groupe, la soit association de malfaiteurs, et qui montait, son ambassadeur de dire pour défendre l'intérêt pays. Donc nous-mêmes, c'est pour nous habituellement demander qui ça intérêt par nous. Et maintenant, qui j'en ai fait pour défendre l'intérêt. La déformation leader parti Alliance pour Libération et Avancement d'Haïti à la fait qu'on est bataille pour les méfaits sous assassinat. Maintenant, Ferrier d'Orval là, pas campé dans la route. Cependant, M. George dit qu'il y a un problème qui pose ces questions tribunal à côté pour travailler sous dossier ça a fait à cause de gang qui empêchait de fonctionner comme sa loi. Mais sous ça, il dit équipe Dr. Ariel Henry a pas bien trop d'importance à dossier mon Ferrier d'Orval là. Alors, il dit à l'arrêté attaché à au Port-au-Prince, il dit qu'il a travaillé sur le dossier SILA. Maître Inol Georges. Nous ne pouvons pas entendre lâcher prise. Même si vous avez un petit calme, mais ils sont calmés à part. Parce que le conseil de l'autre là et tout le monde, ils ont campé des diums sous question. Ok. Mais le problème qui s'impose, c'est que nous, on n'est pas un tribunal. Non, première observation, nous avons un tribunal et tout effort qu'ils ont fait, surtout auprès du monsieur Jovenel Moïse qui est passé des vies à Trépas, nous sommes d'accord pour nous déplacer côté de nous, des vies qui étaient là pour tout le monde gagner et manger. Maintenant, nous avons un gouvernement qui est là, le gouvernement de Daniel Henry, docteur Daniel Henry, premier ministre, eh bien, moi, monsieur, tout lui-même, il va faire trop cas à problème tribunal là. Donc, c'est ça qui fait que vous êtes capable de comprendre que ce bagage est nommé, mais nous disons que ça ne va jamais, jamais payer. Il n'y a aucun avocat qui est d'accord pour prendre un dossier, ça a fait mal dans le tiroir, et puis il va faire un cas de liste. Donc, ça, il va payer ça, c'est l'argent que c'est donc pour garantir ça. Au niveau à la partie que vous avez dirigée, qui ça nous compte faire? Est-ce que c'est entrer dans le même démarche, faire sit-in, faire notre sortie dans la presse ou bien nous gagner une démarche spéciale nous pouvons le faire pour nous capables de porter contribution par nous dans la quête menée sur l'assassinat de M. Ferrier d'Orval. Vous connaissez que nous, les avocats, nous sommes des interdisciplinés et que toute action qu'on a menée, c'est sous avis ou bien sous direction, sous directive conseil de l'ordre qui est présidé par, n'est-ce pas, notre consoeur Marie-Cécile Lebourg, qui s'est dit même qu'il bâtonnier là, actuellement en fonction. Donc, avec tout conseiller, avec
tenue des générales là aussi, mais pour les soldats. Donc c'est eux-mêmes qui ont baguette là, mais eux. Et puis tout ça a fait, c'est société, ok? Et eux-mêmes, ils ont très habiles sous question. Hein. Et puis vous m'avez fait confiance, même si vous ne pouvez pas me dépendre de 2-3 jours, moi je me développe quand même. Dans ça qui concerne les assassinats qui étaient faits sur le président Jovenel Moïse, Maître Nojor, j'ai profité de Radio Lumière pour parler sur le dossier Jovenel Moïse là, qui était mort. Ça signe à la CAI dans Pèlerin 5 ans dans la nuit 6-7 juillet 2021, ça y est 10 mois déjà. Homme de loi qui dit il y a une catégorie de monde qui n'a pas tablé dossier avancé, c'est tout le considéré par les juges qui sont dossier actuellement. Maître Georges Poet, il y a un peu de monde qui est capable de problème dans le dossier assassinat Jovenel Moïse là, à cause des États-Unis qui divers suspect qui en bas mais là, je vais vite écouter une fois encore responsable à la maître Reynold Georges. Pas bien au juge d'exception, n'est-ce pas, actuellement, vous n'avez pas la voix là qui s'est dit. Il y a des grands juges qui ont été faits nommés sur lui, c'est l'honorable Bel Amélabre. Mais mandat fini là, c'est mandat fini pour vous renouveler. Et ensuite, tout, moi, je vais vous parler de tout. Dossier ça, il ne va pas aimer. Il ne va pas aimer dossier ça. Et à notre tribunal, il va pas aimer dossier affiné. Mais je pense que mon saillot qui va t'attendre, il dossier ça avant. Et je pense qu'il y a un fond de l'éclat. Vous voulez ça? Parce que si on quittait les États-Unis pour aller devant eux, on ne savait pas qu'on parlait. Il n'y a pas eu à citer ou pas non, le Chili. Ouais. Et comment ils vont influencer pour se faire un peu aux États-Unis. Mais on paye mal dans la procédure là, aux États-Unis, puisque le gouvernement lui-même demande de classifier, n'est-ce pas, certains propos ou bien certaines pièces du dossier. Il est venu du pouvoir public, donc bah, ça arrive là. Je pense que les côtés du gouvernement américain bien, parce que ça montre clairement qu'il y a des meilleurs trappés tout. Au moins, il y a des meilleurs trappés tout. Et c'est donc, je pense que son dossier qui est très, très, très difficile à gérer. Et moi, je ne peux pas l'avoir là. Mon client, moi, qui est en prison, dans le dossier, ça, qui part, il est dans le dossier, ni de près, ni de loin, et même de très loin, les grenades ici de la guerre, je suis en prison. Donc, je pense que, réellement, ce barré qui pour régler, car régler, que tout ça, c'est un ouvrier, il va définir comme un gouvernement Michel Nassou. Il y a tout le monde là, c'est qu'il y a cette vidéo, quand c'est tout disparu, et il y a prétendument amené au charge. Je ne peux pas aller là, donc comment mettre les mélos dans le dossier. Mais de toute façon, tout le monde fait mourir. Ils sont présidents pour lui.